On va continuer à s'entraîner à visualiser des fractions avec ce module d'exercice qui est ici. Alors, on nous dit que la longueur du bloc de départ est de 13 onzièmes unités, 13 sur 11 unités. Donc le bloc de départ, c'est celui-là, le, le premier en rouge, et on nous dit qu'il est de 13 onzièmes unités. Donc ça, ça, ça fait 13 sur 11. La longueur du bloc d'arrivée est de 5 sur 11 unités, 5 onzièmes d'unité. Alors, la longueur du bloc d'arrivée, c'est le bleu, et celui-ci doit faire 5 sur 11 utiliser les deux curseurs ci-dessous pour obtenir le bloc d'arrivée à partir du bloc du départ. Alors, les deux curseurs ci-dessous, donc il y a un premier curseur qui permet de couper le bloc de départ en un certain nombre de morceaux et puis euh, ensuite le deuxième curseur permet de copier plusieurs fois le morceau qu'on a coupé, qu'on a obtenu en coupant pour euh, obtenir le bloc d'arrivée qui est ici. Alors, euh, le bloc témoin permet de visualiser le résultat avant de valider la réponse, c'est-à-dire que ici on va quand on va agir sur ces curseurs, on va reconstruire un bloc ici et on doit avoir un bloc qui a la même taille que le bloc d'arrivée. Alors, bon, je vais essayer de le faire. Donc si la longueur du bloc de départ est de 13 sur 11 unités, ça veut dire que ce bloc-là représente 13 sur 11. Donc si je le divise en 13 morceaux, je vais le couper en 13 morceaux. Et du coup, je vais avoir des morceaux qui seront de 1 onzième. Hein, une taille de 1 onzième. Alors voilà. Bon déjà je vais le découper en deux. En deux morceaux. Voilà, ça me donne ça. Je vais le découper en trois. Voilà, là je l'ai découpé en trois morceaux, en quatre morceaux, en cinq morceaux, en six morceaux, en sept morceaux, en huit morceaux, en neuf morceaux, en dix morceaux, onze morceaux, douze morceaux, treize morceaux. Donc je vais m'arrêter là, je vais le découper en treize morceaux. Maintenant, euh, ce qu'il qu faut que je me demande, c'est combien de fois je dois prendre ce morceau qui est là, hein, qui est représenté ici dans le bloc témoin aussi. C'est le même, c'est les deux mêmes, ça. Ils ont la même taille. Et donc, combien de morceaux de cette taille-là je dois prendre pour obtenir ce bloc d'arrivée Alors, ce bloc-là vaut 1 onzième, hein, puisque j'ai divisé mon bloc de départ de 13 onzièmes, je l'ai divisé par 13. J'ai découpé en 13 morceaux, donc j'obtiens chaque petit morceau ici rouge fait 1 onzième. Donc, si je veux obtenir la même longueur que le bloc d'arrivée, la même. La même barre ici que le bloc d'arrivée. Le bloc d'arrivée, c'est 5 onzièmes. Donc il faut que je prenne 5 fois ce morceau-là. Donc je vais prendre ce morceau et je vais le copier 5 fois. Alors, une fois c'est ça, deux fois c'est ça. On voit ce qui se passe avec le, le bloc témoin ici. Trois fois c'est ça, quatre fois c'est ça, et cinq fois c'est ça. Alors. Voilà, là j'obtiens euh, ce bloc rouge, du coup, c'est ce que j'ai obtenu en agissant sur les curseurs, donc en coupant le bloc de départ et en recopiant euh, plusieurs fois la, la, le, bloc, le petit bloc que j'avais obtenu. Et voilà, je, je vois qu'ici, on voit bien que la, le bloc rouge obtenu, le bloc témoin obtenu, il a l'air égal au bloc d'arrivée. Donc a priori, ça c'est la bonne réponse, on va vérifier. Voilà, c'est bon, alors on va en faire un deuxième. Donc voilà, alors cette fois-ci la longueur du bloc de départ c'est de 14 neuvièmes d'unité, 14 sur 9 unités. La longueur du bloc d'arrivée est une unité. Alors on, on va utiliser les curseurs ci-dessous pour obtenir le bloc d'arrivée à partir du bloc de départ. Donc on doit couper le bloc de départ en un certain nombre de morceaux qu'on va recopier ensuite un certain nombre de fois pour obtenir le bloc d'arrivée qui est ici. Alors... Et toujours, hein, comme d'habitude comme tout à l'heure, le bloc témoin permet de visualiser le résultat avant de valider la réponse. Alors ici j'ai mon bloc de départ qui vaut 14 sur 9 unités. Euh, la, la meilleure chose à faire ici, c'est d'aller diviser ce bloc de départ en 14 parties, puisque comme ça j'aurai euh, des parties qui feront chacune un neuvième d'unité. Donc c'est ce que je vais faire. Donc si je le coupe en deux, j'obtiens ça. Donc ça, ça sera la moitié de 14 sur 9 unités. En fait, ça sera 7, 7 sur 9 unités. La moitié de 14 divisé par 9. Hein. Alors je vais le couper en ah, pardon. Alors, je vais le couper maintenant en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10, en 11, en 12, en 13, en 14. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc maintenant, effectivement, si je prends 14 fois ce bloc rouge qui est ici, je vais pouvoir reconstituer euh, tout le bloc de départ. Donc ça, ça veut dire que ce bloc ici en rouge, que je retrouve ici aussi dans le bloc témoin, euh, il vaut un neuvième d'unité. Alors combien de blocs de ce genre-là je dois obtenir pour euh, retrouver mon bloc d'arrivée qui est ici et qui vaut une unité Une unité. Donc, j'ai un bloc ici qui vaut un neuvième. Si je veux retrouver une unité, il faut que j'en prenne 9. Donc, je vais reprendre, je vais recopier ce bloc-là 9 fois. Une, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. Et là, j'obtiens bien qu'un bloc témoin qui a, qui a l'air d'avoir la même longueur que le bloc d'arrivée. Donc, a priori, c'est la bonne réponse. Donc, je récapitule. Hein. J'ai d'abord diviser mon bloc de départ en 14, puisque j'avais ici 14 sur 9 unités, ce qui me donne un petit bloc qui vaut 1 neuvième d'unité. Et si je prends 9 fois ce bloc-là, eh je trouve 9 fois 1 neuvième, c'est-à-dire une unité. Donc a priori, ça c'est bon. Voilà. Bon allez, on va en faire un petit dernier, hein. c'est assez, assez rigolo à faire. Alors, la longueur du bloc de départ est de 3 unités. Alors ça c'est un peu différent de ce qu'on a fait tout à l'heure parce qu'ici on a un bloc de départ qui n'est pas exprimé en forme de fraction, mais bon, c'est pas grave, c'est toujours la même chose, on va le découper d'une certaine manière, et puis prendre plusieurs de ces petits morceaux qu'on aura découpés pour reconstituer le bloc d'arrivée. Alors, la longueur du bloc d'arrivée justement est de 1, 3 septième unité. Alors ça, c'est une notation qu'on n'en rencontre pas très fréquemment, mais ça veut dire 1 plus 3 septièmes d'unité. Donc la première chose, c'est d'aller exprimer ça en, en, sous forme d'une fraction simple, hein, donc une fraction normale. Donc 1 plus 3 sur 7, ça fait 7 sur 7 plus 3 sur 7, c'est-à-dire 10 sur 7 unités. Donc le bloc d'arrivée, il a une longueur de 10 sur 7. Alors bon, euh, c'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure. Alors je vais, je vais y aller un peu plus doucement. J'ai un bloc de départ qui vaut 3 unités. Donc déjà si je le coupe en 3, je vais avoir des morceaux qui vont faire, donc je vais le faire, hein, je vais le découper en 3, je vais avoir un morceau qui va avoir une longueur de 1 unité. Alors si je veux pouvoir reconstituer le bloc d'arrivée, il faut que euh, j'arrive à des morceaux qui valent 1 septième chacun, hein, puisque mon bloc d'arrivée c'est 10 septièmes d'unité, on a vu. Donc il faut que j'obtienne des, 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 des blocs, des petits blocs qui valent un, septi un septième. Hein. Alors là, quand je vais diviser mon bloc de 3 unités en 3, eh j'obtiens un bloc qui vaut une unité. Donc il faut que maintenant je décompose ce bloc ici en... 7 parties pour avoir des blocs de 1 unité. Donc ça veut dire qu'en fait, pour obtenir un bloc qui vaut 1 septième d'unité, il faut d'abord que je découpe mon bloc de départ en 3, puis en 7. Donc en tout, je vais l'avoir découpé en 3 fois 7, c'est-à-dire 21. Alors je vais faire ça ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vais un peu plus vite. Voilà, 21. J'obtiens un bloc qui est celui-ci. Alors maintenant, euh, je sais que... Mon bloc d'arrivée, il, il, il vaut 1 plus 3 septièmes d'unité, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, 10 septièmes d'unité. Donc c'est 10 sur 7. Donc il faut que je prenne 10 blocs comme celui-ci, puisque celui-ci vaut 1 septième. Alors on va voir, je vais le copier 10 fois. 10, voilà. Et j'obtiens effectivement, on, là on a l'impression que la réponse est la bonne. Donc je vais vérifier. Voilà.